Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler tout notre corps. C'est vraiment un full body série. En quelques minutes seulement, vous allez travailler le haut du corps, le bas du corps. Vous allez harmoniser les muscles. Vous allez faire circuler le sang, la lymphe, renforcer, travailler l'équilibre. Tout ça au même temps. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Et on va commencer en tailleur, confortablement assis. Et tirez la chair des fessiers vers l'arrière. Comme d'habitude, vous relâchez les épaules. Vous redressez bien la colonne. Sommet du crâne vers le ciel. On ferme les yeux quelques instants seulement pour se concentrer sur la respiration. Et je vous propose aujourd'hui d'essayer sur l'inspiration de sentir comment vous grandissez. Au fur et à mesure, vous allez gagner en espace entre les vertèbres. Donc à chaque inspiration, le sommet du crâne monte un peu plus vers le ciel. Et avec chaque expiration, vous vous ancrez sur le tapis. Vous vous enracinez un peu plus. Inspirez, on monte, on grandit. Et expirez, on s'ancre. On installe une stabilité avec l'expiration et un lâcher prise au même temps. Encore quelques cycles de respiration. Puis lentement, vous allez ouvrir les yeux. Et on fait trois grands cercles vers l'arrière avec les épaules. Essayez de toucher les oreilles, juste pour assouplir un petit peu. On va travailler pas mal dans des postures qui vont solliciter les épaules aussi. Donc assouplissez un petit peu et puis vers l'avant aussi. Puis vous savez, on accumule beaucoup de tension dans cette zone. Donc de juste faire cela quelques fois par jour, ça aide énormément aussi pour libérer ces tensions, pour vous sentir mieux dans la journée. Et on relâche. Et vous allez venir vous placer à quatre pattes. Et sur une inspiration, vous allez étirer la jambe gauche, étirer le bras droit devant vous. Grande inspire sur l'expiration. Le coude et le genou se touchent. On arrondit le dos. On presse avec la main et le genou qui est au sol. On inspire, on grandit dans les deux sens. On s'étire vers l'avant, vers l'arrière. On expire et on essaye de toucher pile sous notre poitrine, le plus proche possible. On inspire, expirez. Dernière forme, inspire, expirez, on pose et on fait l'autre côté. Inspirez la jambe droite, le bras gauche, expirez sous la poitrine, sous le buste, inspirez. Donc c'est important vraiment que quand vous expirez, vous essayez de presser dans le tapis pour vous éloigner du tapis et quand vous inspirez, vous essayez de gagner un maximum d'espace entre les mains et le pied. Expire. Inspire. Expirez. Dernière fois, on inspire ici. On expire. On pose. Sur la prochaine inspiration, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on presse le dos vers le haut. Inspirez à nouveau. Creusez, envoyez le cœur vers l'avant. Expirez. Inspirez, on creuse le dos légèrement, on regarde vers l'avant, on expire, on retourne les orteils, on se place dans notre chien tête en bas. On va marcher quelques instants, juste pour étirer les jambes tout en douceur. Sentez votre corps, placez-vous confortablement dans la posture, ajustez, écoutez le corps. Donc les omoplates montent vers les fessiers, les ischions montent encore plus et reculent au même temps pour créer de l'espace dans le dos. Et avec la prochaine inspiration, la jambe droite monte vers le ciel. Expirez le genou en diagonale vers le coude gauche. Inspirez vers le ciel. Et expirez, même côté, genou vers le coude droit. Inspirez au milieu. Expirez vers le nez cette fois. Arrondissez votre dos. Inspirez vers le ciel. Expirez, on pose le pied. Restez pour étirer le corps.
Calmez votre souffle. Et longue expiration pour vider les poumons. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui monte vers le ciel. Expirez en diagonale, sous le buste, vers le coude droit. Inspirez vers le ciel. Expirez, même côté. Inspirez vers le ciel. Expirez au milieu. Inspirez vers le ciel. Expirez en pause. Une grande inspiration. Une longue expiration. Prochaine inspiration. On va dérouler la colonne vers l'avant jusqu'à placer les épaules au-dessus des poignets dans une jolie planche. Vérifiez que vous êtes aligné. Donc là, par exemple, il faut que j'avance avec mes mains pour bien les placer sous les épaules. Je presse les talons vers l'arrière pour activer les jambes. À partir de là, on prend une grande inspiration. Expirez, envoyez les fessiers vers le haut, vers l'arrière pour vous replacer dans le chien tête en bas. Continuez ce mouvement quelques fois à votre rythme. Inspirez vers l'avant. Expirez, chien tête en bas, vers l'arrière. On active la sangle abdominale, bien sûr. Dernière fois, inspirez vers l'avant. Et maintenant ici, vous restez une grande inspire. Sur une expiration, on va descendre soit via les genoux, soit directement chaturanga, les coudes tout près du buste. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Grande inspiration, longue expiration. On avance sur une inspiration. On descend, on expire. Inspirez à nouveau, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Grande inspiration, longue expiration. Dernière fois, inspirez, on roule le dos vers l'avant. Et on descend sur les genoux, par exemple, cette fois, en coquillage, c'est notre possibilité. Poitrine, menton au sol. Inspirez vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Cette fois, on inspire. On va avancer avec le pied droit entre les mains. On prend quelques instants pour bien stabiliser la posture. Pressez avec les deux pieds dans le tapis. Contractez le périnée et la sangle abdominale et on monte. Inspirez vers le ciel. On est dans une grande fente ici. Vérifiez que le genou est au-dessus de votre talon. Et on reste trois grandes respirations. Pressez le talon vers l'arrière pour activer votre jambe. Et on expire, on va ouvrir dans une petite torsion. Ouvrez la poitrine vers le côté gauche pour l'instant. Grande inspire, longue expire. Activez, grandissez vers le haut. Oups là, si vous tombez, c'est pas grave, vous revenez. Prochaine expiration, on revient vers le sol et vous faites votre petit vinyasa, l'enchaînement des postures. Planche, on descend chaturanga, on inspire cobra ou chien tête en haut, expirez chien tête en bas. Inspire, expire. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui avance entre les mains. Et vous stabilisez un petit peu la posture. Visualisez comment vous montez. Et sur une inspiration, on monte, main vers le ciel. Activez. La peau de ventre monte vers le ciel aussi. La jambe droite est active, vous pressez un peu plus avec le talon vers l'arrière. Et cette fois sur une expiration, on va tourner vers la droite. On est bien stable, on presse de façon égale avec les deux pieds. Vous
Prochaine expiration, on revient au sol pour notre dernier vinyasa. Inspire, expire. Inspire et expire. Restez. Calmez votre souffle. Continuez à monter avec les ischions et à descendre avec les talons. Prochaine inspiration, avancez dans la planche. Et expirez, posez le genou et glissez en balasana. Trois respirations, une balasana active sur les bouts du doigt. Vous sentez l'étirement sous les aisselles. Ouverture dans le dos. On recule lentement. On redresse la colonne. Inspirez vers le ciel avec les mains en prière. Expirez vers l'arrière. On attrape les doigts derrière le dos. On va entrelacer les doigts. On va éloigner les doigts, les mains de nos fessiers. Ouvrez la poitrine au maximum. Créez beaucoup d'espace ici. Vous pouvez aller à gauche, à droite. J'aime bien parfois ajouter un peu de mouvement. Bien sentir les articulations. Créer de la douceur dans le corps. Et puis lentement, on redresse complètement le corps. On va rester sur les genoux. Et on va faire une petite flexion arrière avec notre dos. Ça donne beaucoup d'énergie. Toutes les flexions arrière de notre colonne, ça donne de l'énergie. Ça stimule notre bonne énergie. Donc plusieurs options. Soit vous restez juste ici, doucement vous penchez vers l'arrière. Soit si vous avez déjà l'habitude, vous pouvez retourner les orteils, attraper les talons. Si vous avez vraiment beaucoup d'ouverture, vous laissez les coups de pied au sol et vous allez descendre complètement. Alors, l'astuce pour toutes les postures de chameau, de toute façon, ça va être de chaque fois que vous inspirez, c'est de sentir que l'avant du corps monte vers le ciel. Donc, on y va. Grande inspire, tout l'avant du corps monte vers le haut. Expirez, vous prenez la posture qui vous convient aujourd'hui. Vous avancez avec les cuisses. Vous ne voulez pas aller vers l'arrière, pas vers les orteils, mais vers l'avant pour ouvrir le corps. Et inspirez, on ouvre la poitrine. On monte avec les cuisses. Si les cervicales sont OK, on relâche. Pour revenir, vous enfoncez les genoux, vous contractez le périnée, vous revenez doucement. Pour pas vous blesser. Très bien, venez vous asseoir. Vous allez faire renforcement de la sangle abdominale pendant quelques respirations. On monte en Navasana. Vous allez soit garder les jambes pliées, les genoux pliés, ou vous tendez les jambes. Vous comptez jusqu'à 5. Grande inspire, longue expire. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Redressez la colonne. Tournez les cuisses vers l'intérieur. Activez le périnée. Et lentement, lentement, vous allez descendre le plus lentement possible. Regardez les pieds. Regardez les pieds. Gardez les talons au-dessus du tapis pendant quelques instants. Activez et allongez toujours la respiration. Et sur une expire, tout doucement avec contrôle, vous posez les talons et le haut de votre corps. Et vous vous étirez vers l'arrière. En grande inspire, on s'étire. Expirez, relâchez, relâchez bien. Prenez vos genoux contre la poitrine quelques instants, pressez les lombaires dans le tapis. Et puis les bras en croix ou en cactus de chaque côté de votre buste. Et on expire, on laisse les genoux tomber vers le côté gauche. Le regard vers le côté droit. Vous inspirez au milieu avec les genoux. Vous expirez dans l'autre sens.
Donc le regard en direction opposée par rapport au genou. Inspirez au milieu. Expirez dans l'autre sens. Inspirez. Et expirez. Les torsions sont extra pour soulager la digestion et pour assouplir la colonne. Inspirez au milieu. Et puis on va relâcher complètement. On s'accorde quelques instants de relaxation. L'exercice le plus important dans le yoga, c'est d'être en Shavasana pour intégrer toutes les postures qu'on a fait pour vraiment installer une détente musculaire profonde. Donc quelques instants parfaitement connectés avec votre souffle, avec chaque inspiration et chaque expiration. Sur l'expiration, laissez le corps fondre vers la terre, un peu plus chaque fois. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.